Est-ce que tout fonctionne plutôt bien? Tu veux voir ça? Bon. Ça m'a pas l'air trop mal. Est-ce qu'au niveau du son, c'est pas trop fort? Non. Ça devrait aller. Bon, allez, c'est parti. Juste attendre 5 minutes qu'il y ait un petit peu de monde. On va voir où on en est. Alors, pour ceux qui étaient là il y a 2 jours, j'avais commencé en fait une nouvelle partie sur donc du coup un nouveau restaurant. J'avais commencé à acheter quelques améliorations, notamment pour passer moins de temps à nettoyer les chiottes, à laver la vaisselle ou à sortir les poubelles. Là, j'en suis où? Je crois que j'avais acheté les lasagnes. J'ai débloqué une cinquième slot pour le menu, tout simplement. Et là, j'avais l'intention de finir. Il faut que j'aille jusqu'au 20e jour pour pouvoir passer en une étoile. Je crois que c'est le dernier défi que j'ai à réaliser. Donc normalement, ça devrait être bon. Alors, n'hésitez pas à me dire un petit coucou dans le chat si vous êtes là. De toute façon, je vais attendre. Merci mon Skyler pour le host. C'est bien gentil de ta part. On va commencer tranquillement. On se chauffe un petit peu les doigts parce que là, avec les lasagnes notamment, il va falloir faire monter un petit peu les APM. Re mon Skyler. Donc c'est parti. Un petit cooking mama. Ouais. Histoire de se donner un petit peu faim et que vous, bande de geeks, pensiez à manger. Alors toi déjà, tu vas te faire foutre. Le téléphone qui commence à me troller. Ouais, j'ai mis Dolky Modo la dernière fois. Il l'avait même pas vu. Il a même pas dit merci. En plus, en fait, j'ai que des modos sur mon chat. C'est ça qui est marrant. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer une nouvelle journée. Et c'est parti. Let's begin. Allez, des lasagnes, ça commence. Hop. Histoire de bien me faire chier en début de journée. Allez, on sert les lasagnes, on sert la binouze. Jusque-là, tout va bien. Non, je vais pas commencer à time out mes modos, ça ne le fait pas. Vanille, chocolat, cherry, Pringles, la totale. Merci madame. Un petit peu de pourboire, ça aurait pas été de refus, connasse. Mais bon, c'est pas grave. Encore des lasagnes. Putain, les mecs, ils sont motivés à 10h du mat. Donc avec les lasagnes, normalement, ça commence à se compliquer un peu. Il risque d'y avoir du fail. Une boule chocolat, une boule vanille, pas de souci monsieur. À midi, on va attaquer le premier rush hour. Donc avec les lasagnes et tout le bordel là, je pense qu'on va commencer à rigoler sérieusement. Allez, binouze, t'as bien raison mon gars. Les chiottes, deuxième fois de la journée. Le soda, small cola, no ice. Merci monsieur. La binouze, on a préparé les lasagnes, on les a mis à cuire, on peut faire la salade, orange grips and carottes, y a pas de souci. La binouze, je peux la servir avant de servir les lasagnes, y a pas de problème. La petite salade, la petite binouze pour madame. Encore la pochetronne du coin. Alors, voilà, là je me suis chié normalement. Orange, cheese, greens and carottes, bacon, onion, machin, tout ce que tu veux, vas-y, y a pas de problème. Je me suis chié sur les lasagnes, c'est bien ce que j'avais dit. On va servir small grape, ice flavor blast, y a pas de souci monsieur, faut que je fasse la vaisselle parce que sinon ça va me troller dans pas longtemps. Voilà, merci. La petite binouze pour monsieur.
Allez, casse-toi. On va small cola ice, pas de souci. Il faut que je sorte les poubelles parce que sinon ça va être la merde. Que je me nettoie les mains, que je prépare les lasagnes avant de passer à la suite, il n'y a pas de souci. Je nettoie les chiottes, je me lave les mains, je serre la binouze. La petite salade, cheese, onion and pepper, il n'y a pas de problème, je sers les lasagnes. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, à part le petit fail sur les lasagnes, bien sûr. Mais ça, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc c'était prévisible. Donc le perfect day, bah, on lui dit adieu, merci beaucoup. Et là, c'est le temps mort de la journée. Vanille chocolat, pas de problème. On renettoie les chiottes. Putain, c'est creux dans l'après-midi, va falloir que je trouve un truc. Parce que sinon, je vais pas rentrer assez de thunes et la journée va me coûter plus cher qu'elle me rapporte. Et ça, c'est pas cool. Allez, la petite salade. Donc là, il fait beau normalement. Ouais, salade, bière, glace, ça devrait partir un petit peu plus. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi mon buzz est aussi bas. Normalement, ça devrait être aux alentours de 30-35%. Là, je suis à 22, donc c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup de clients. Salut Piti, comment vas-tu? Jumbo Diet Ice Flavor Blast, c'est parti. Merci beaucoup. Ouais, zéro top. Bah, j'ai recommencé une partie en fait, vu que ça faisait un bon moment que j'avais pas joué, que là je le refaisais en stream. Je me suis dit, s'il y a des gens qui connaissent pas le jeu, autant leur montrer depuis le début. Donc du coup, je suis reparti en 0 étoile, ouais. Et là, j'en suis au jour 8 ou 9, je sais plus. Ouais, ça va, merci. Allez, les lasagnes. C'est parti, médium grave avec de la glace, y a pas de souci. Encore des lasagnes. On peut servir celle-là. J'ai le temps de sortir les poubelles, de me laver les mains avant de servir les troisièmes lasagnes, de préparer les premières, de servir les deuxièmes et de resservir la petite bénouse qui va bien. On en resserre une autre. Ça, ça annonce le nettoyage de chiottes dans pas longtemps. On sert les lasagnes, la petite salade, mushroom, tomate, greens and carottes, y a pas de souci. J'avais annoncé le nettoyage de chiottes, le voilà. On fait la petite vaisselle qui va bien. Lui, il veut pas grand chose sur sa salade, ça m'arrange. Lui non plus, ça m'arrange. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un grand cola avec de la glace, y a pas de souci. Ranch, cheese, bacon, onion, y a pas de problème. La première salade, ranch, cheese, onion, y a pas de souci. Et merde. Et ben si, y a eu un souci, c'est pas grave. Ranch and cheese, y a pas de problème. Hop là, avec un petit booster de goût, la petite salade. Hop, ça, ça va bien. Et on sort les poubelles. C'est normalement un rush hour, mais un rush hour super calme. Il y a un truc qui doit merder dans mon menu. Parce que normalement, je devrais avoir un petit peu plus de clients que ça, surtout pendant les rush hours. Et j'ai recassé mon combo. GG. Donc on dit adieu au perfect day, c'est-à-dire que je vais pas rentrer des masses de thunes. Le but là, ça va être de monter assez rapidement à 2500$ pour pouvoir commander du vin. Parce que le vin rapporte pas mal. Thierry, c'est H. Nous y sommes. Plus qu'une heure de service et on aura tranquillement passé la journée. Sans trop de soucis. Encore les chiottes. Décidément. Ah, les rats, on les avait pas vus encore. La petite salade pour bien finir la journée. Et la petite photo, salut tout le monde. Alors, buzz positif, 25-50, c'est là que ça merde. Normalement, je suis censé être à 30-35. Bon, c'est certainement pour ça que ça chie et que j'ai pas assez. Ouais, bah le vin, c'est l'horreur. Faut vraiment spammer les touches et... C'est l'item à tendinite, quoi. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, bon, on va s'en foutre pour l'instant. Ah, weather alert. Donc là, qu'est-ce qu'ils annoncent demain?
Ils annoncent de la pluie, donc il va falloir que je regarde dans mon menu ce qui marche bien les jours de pluie. Ça va permettre de booster un petit peu tout ça. Les tickets mystères, pour l'instant, j'en ai pas. On verra après à quoi ça sert, notamment bah, débloquer les événements spéciaux. Ah, merci. Ils m'ont donné donc deux tickets d'or et le pesticide à rats pour s'occuper un petit peu moins souvent des rats. L'upgrade à nachos, pour l'instant, je m'en fous parce que j'ai tout simplement pas acheté les nachos. Ouais, c'est normal de pas être très haut, mais j'étais quand même quasiment 10% en plus au départ. Donc là, il y a un truc qui doit merder quelque part. Je vais rapidement acheter en fait les ce qui me permet en fait d'avoir à moins m'occuper de toutes les tâches domestiques, on va dire. Donc le pesticide à rats dans mon menu actif. Alors qu'est-ce qui marche bien déjà? Je vais tout sortir et on va tout refaire. Qu'est-ce qui marche bien les jours de pluie? Je crois que la bière marche plutôt pas mal. Non, la glace marche plutôt bien, la bière aussi de mémoire. On va refoutre le poisson parce que c'est assez simple à préparer. On va se mettre la salade parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre de salade. Et on va se mettre, tiens, les burgers, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Allez, au pif. Oups. Mon boss, qu'est-ce qu'il dit? 31, moins 5, 26%. Ouais, ça devrait être pas mal ça en fait. Et dans mon menu actif, non, c'est bon. Allez, bon, on va pas se prendre plus la tête que ça. On repart pour la journée numéro 9. Et ça pue dès le matin. Bah oui, j'ai mis le poisson. Allez, madame à 9h du mat qui arrive pour sa petite binouze, c'est une habituée. Donc là, normalement, je devrais pas avoir trop de monde le matin justement à cause du poisson qui fait que ça pue et que ça attire pas forcément les gens. Bon, ça permet de passer des matinées plutôt tranquilles. Il veut ses deux viandes et son machin. Très holy fuck, j'ai pas vu où j'ai merdé, mais j'ai merdé quelque part. Si quelqu'un l'a vu, je vous invite à me dire où est-ce que j'ai je me suis planté. Prochaine cheese, ça y a pas de souci. À une heure du rush, putain, c'est calme. Voilà, vanille chocolat, pas de souci, madame. Merci d'être passé. Je sais pas si vous dites-moi par contre la balance du son, si c'est bon pour vous, parce que j'ai un peu modifié ça. Je suis passé sur le son de la webcam. Je trouvais que le son du micro était vachement faible la dernière fois. Vous me direz si c'est bon pour vous. Meat, bacon par deux, cheese. Ok, celui-là il est bon. Lui veut trois bouts de viande, il n'y a pas de souci. Toi tu veux juste des greens and carottes, il n'y a pas de souci. Toi tu veux orange, cheese, bacon, onion, pepper, il n'y a pas de souci. On va mettre ça à cuire et s'occuper rapidement des trucs avant de servir le burger. Hop, la vaisselle, on va s'en occuper tout de suite. De toute façon, ça va aller bien vite. Hop, on va mettre le poisson là à cuire, servir la binouze. Servir une deuxième binouze. Hop, ça va très vite. Hop, on remet ça à cuire. Ranch and cheese, ça va vite. On sert le poiscaille, on sert la binouze. Ça commence à s'enchaîner un petit peu plus vite, ça me plaît. Hop, hop, hop. Toi, tu veux pas grand chose sur ta salade, c'est pas bien grave. Hop, lui non plus. Et en plus, il me laisse un petit pourboire. Ça, c'est bien gentil. On se lave les mains. Toi, tu veux quoi? Bacon, laitue, tomate et fromage. Ok, il n'y a pas de souci. Un petit poisson à cuire. Ah, ça va quand même nettement mieux quand on a pris les améliorations pour les poubelles. Il n'y en a que deux à sortir au lieu de 4 ou 5. Donc on perd beaucoup moins de temps. Et c'est plutôt agréable. Vas-y, il n'y a pas de souci. La vaisselle, c'est pareil. On a pris l'amélioration, donc ça va vite. On lave 3 assiettes au lieu de 5. Et vu qu'il faut spammer, c'est plutôt pas mal. Vanille, chocolat, sprinkles, un petit peu de froufrou, il n'y a pas de souci. On se nettoie les mains après avoir nettoyé les chiottes, parce qu'on n'est pas des dégueulasses. Un petit bout de viande, vas-y mon gars. Et il repleut, donc là normalement c'est pareil, on devrait vendre un petit peu plus de glace et de bière notamment, je crois. Alors le burger, mite et tomate, vas-y, il n'y a pas de souci.
toi tu veux ta petite binouze. Toi tu vas revenir souvent pour la bière, je le sens. Alors, bacon, laitue, tomate, pas de soucis monsieur. Un burger sans burger, est-ce réellement un burger? En même temps, ça leur coûte le même prix. Alors, 3 boules vanille, pas de problème. Au suivant. T'as avancé d'ailleurs, tiens, Piti, toi, sur ta partie, t'en es où? Tu vas pouvoir nous en streamer d'ailleurs bientôt. Tu vas nous faire du restaurant au moins 4 ou 5 étoiles. C'est un peu dommage d'avoir loupé le burger au tout début, parce que sinon, là, pour l'instant, j'ai été plutôt bien parti pour un perfect day. Dommage. Hop, meat et laitue, il n'y a pas de problème. On va servir ça, ranch, cheese, bacon, crouton, il n'y a pas de souci. Meat, bacon, cheese par deux et tomate, il n'y a pas de problème. On peut servir le poiscaille, on va mettre vite fait celui-là à cuire avant de servir la salade. Qu'est-ce que j'ai là? La salade qui vient de se pointer, on va l'envoyer vite fait. On va vite enlever ça. Servir le poiscaille, mettre le deuxième à cuire, mettre bacon, laitue, tomate, il n'y a pas de souci. Je vais préparer, lancer ça avant de m'occuper de la vaisselle parce que sinon elle va se barrer. Là, je peux servir le poiscaille, m'occuper des rats, ça, il n'y a pas de souci. Servir le truc là, nettoyer les chiottes parce que ça prend pas longtemps, m'occuper de ça. Ensuite, on va mettre bacon, laitue, tomate et cheese, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux m'occuper de la première salade, de la deuxième salade, du premier bacon, du premier burger. Putain, lui, c'est un gourmand. Hop, bacon, laitue, tomate et cheese. La petite photo habituelle, il n'y a pas de problème. Servir celui-là, bacon et cheese, il n'y a pas de souci. Celui-là, meat et laitue, pas de problème. Toi, t'en veux combien? Bacon and cheese, y a pas de souci. Les poubelles qui continuent de s'accumuler, on se nettoie les mains parce qu'on n'est pas des dégueulasses. De nouveau la photo. Putain, qu'est-ce qu'on en prend des photos? On doit être super célèbre, c'est plutôt cool. Les chiottes. Alors, on est remonté à 36% de buzz, c'est à peu près ça. Streamer du 4 étoiles, ça va être la galère. Ouais, je confirme. Mais c'est là que ça devient marrant, justement. Alors, deux boules vanille avec une petite cerise, des deux bouts de viande, ton laitue, ton bacon, ton cheese et tes tomates, merci, casse-toi. Du poisson, pas de problème, monsieur. Et re les chiottes. Le poisson est servi, la petite binouze qui, à mon avis, va être le dernier truc. Et voilà. Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg d'avoir loupé ma première commande du jour. C'est quand même bien moche. J'ai fait 27% de buzz positif. C'est plutôt pas mal pour un 0 étoile. Il me manque 10 jours de service. Bon, je pense qu'on va commencer à les enchaîner un petit peu. J'ai l'inspection de sécurité qui va pointer le bout de son nez. Donc il va falloir que je fasse gaffe aux tâches ménagères. Un service de rendez-vous pour les cuistots. Tiens, ça va être marrant, ça, quand ça va arriver. Il y a des vols, donc un de ces quatre, il va falloir que je pense à investir dans un service de sécurité, dans les équipements notamment. Voilà. On me prévient qu'il y a un service de sécurité, justement. Air conditionné. Je vais aller voir à quoi ça correspond et je peux améliorer les lasagnes, ce que je vais bien me garder de faire. Comment je fais pour gagner des étoiles? J'ai tout simplement... Alors attends, c'est dans checklist. Voilà, là pour l'instant je suis à 0 étoiles. J'ai, on va dire, là 7 défis à accomplir. Donc j'en ai déjà fait 6 sur les 7. Donc là, notamment, avoir minimum 10% de buzz positif. Servir 4 nourritures différentes sur une journée. Donc ça, c'est plutôt facile. Passer une inspection de sécurité, faire du pourboire, donc là j'en suis à 160 sur 100, acheter 6 nourritures ou boissons différentes, donc là c'est bon, et faire pendant 3 jours différents au moins 12 perfect combos de suite. Donc les perfect combos, c'est bien sûr quand on sert la bouffe demandée de la manière optimale.
Et bien sûr, compléter 20 jours de service. Donc là, j'en ai fait 10. Il m'en reste 10 à faire. Il me reste que ça à faire. Donc là, c'est pour ça que je vais enchaîner les jours un petit peu plus rapidement. Pour l'instant, je vais pas acheter de quoi faire les pâtes, de quoi faire la friteuse, de toute façon, parce que j'ai rien à faire dedans. Alors, attendez. L'air conditionné. Est-ce que je l'achète tout de suite? Ouais, j'ai envie de dire, pour l'instant, j'ai des jours à passer. Je vais pas forcément changer ou optimiser la bouffe, en tout cas pas celle qu'on me propose, donc je peux me le permettre. Donc dans mon menu, qu'est-ce que je vais changer éventuellement? Je vais laisser le poisson parce que ça se spam plutôt bien. Je vais enlever les burgers parce que ça me casse les couilles. Je vais mettre la boisson parce que ça, ça me rapporte plus. Les lasagnes, pour l'instant, je ne vais pas les remettre. Je l'ai mis tout à l'heure pour commencer, histoire de rigoler un coup. En même temps. Est-ce que j'enlève la glace pour mettre les lasagnes? Non. Les glaces ont des petits bonus au buzz, donc je vais les garder. Je vais juste regarder en termes de buzz. J'en suis à 27% en début de journée, donc ça veut dire que ça va commencer à monter assez vite. Je vais laisser comme ça et c'est parti. Allez, go! Donc les inspections de sécurité qui vont se pointer dans la journée, en général, aux horaires les plus chiants, bien sûr. Mais bon, vu que j'ai déjà les améliorations, justement, de tout ce qui est poubelle, rats et autres, ça me prend beaucoup moins de temps maintenant à gérer. Donc, ça devrait bien se passer. On va essayer de faire un perfect day, je vais me concentrer un petit peu. Ça va vite, le poisson, ça va vite. Allez, inspection de sécurité, te pointe pas pendant la rush hour, s'il te plaît. Ce serait pas mal, mais je pense pas. Normalement, 3 ou 4 étoiles. Ouais, ça va assez vite. Enfin, une fois que t'as bien démarré la partie, normalement, tu peux monter assez vite. Après, ce qui est chiant, c'est que t'as toujours, de toute façon, un nombre de jours minimum à faire sur chaque étoile. Le reste des défis, normalement, se fait assez bien. Ah, j'ai perdu du buzz. Tiens, donc. Ah bah oui, parce que ça pue, forcément. Voilà, l'inspection de sécurité pointe le bout de son nez, bien sûr, pendant le truc. Allez, on lui nettoie les chiottes pour faire plaisir. On sert la salade, on sert une deuxième salade, on sert une binouze. Juste comme il faut, on va pas déborder. Alors, jumbo grape avec de la glace, pas de souci. Une autre binouze, c'est toujours les gonzesses qui commandent la binouze. Pas du tout sexiste comme jeu, non, non, non. Encore une binouze, on va servir vite fait la deuxième qui vient d'arriver avant de servir le premier, les deux premiers poissons. Ranch, cheese, bacon, il n'y a pas de problème. On enchaîne sur la bière, il n'y a pas de problème. Toujours une bière. Ben, la bière, ça rapporte pas mal, ça rapporte du pourboire. Et franchement, c'est plutôt simple, surtout quand on a pris les améliorations. C'est assez rentable. Jumbo grape avec ice et flavor blast, il n'y a pas de souci, mon gars. On va mettre le poisson à cuire avant de s'occuper des chiottes et de se nettoyer les mains. Ouais, on sert le poisson, on sert la bibine, encore madame, c'est toujours la même, mais t'es une sacrée poche trente, toi. Ouais, pareil, là, on m'a proposé, bah tiens, je vais peut-être faire ça, en fait, en fin de stream, une fois que j'aurai passé la première étoile à participer à l'émission télé. Parce que là, il me reste quoi, 7 ou 8 jours, ça devrait aller relativement vite. Histoire de montrer un petit peu ce que c'est. Et en plus, j'ai 2 tickets d'or, donc je vais voir. En fonction de l'heure et du temps qu'il me reste à streamer, si je fais pas un petit peu plus. Première glace du jour. Franchement, la glace n'a pas des masses de succès. Je pense que je vais la virer et mettre autre chose à la place. On se nettoie les mains. Ah, là, bien sûr, l'inspection sanitaire est là. Donc, on nous envoie un maximum. Hop, lui, il veut tout, il n'y a pas de problème. Renettoie les chiottes. Allez. C'est
c'est parti. Pour l'instant, on ne s'est pas planté. C'est plutôt bon. Il n'y aura plus qu'à faire gaffe sur le deuxième rush hour à partir de 20h, 18h. Et ce sera bon. Ouais, mais ça dépend des conditions météo, en fait, j'ai cru remarquer. Ouais, là, pour l'instant, j'ai... je crois que j'ai une upgrade de... C'est même pas dit. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les upgrade un petit peu, les glaglas. En même temps, comme je t'ai dit, je vais économiser pour le vin. C'est chiant à faire, le vin. C'est assez long, mais qu'est-ce que ça rapporte? Quand t'as envie de faire de la thune, c'est quand même hyper rentable. Et surtout quand t'as les upgrades... c'est assez impressionnant. Une petite eau avec de la glace, mais si tu veux. On va mettre le poisson à cuire, servir la bibine, servir la salade, il n'y a pas de souci. Je vais nettoyer vite fait les chiottes parce que c'est très rapide. Servir le poisson, mettre celui-là à cuire, servir la bibine, servir la salade. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Hop, on va servir... Chocolat, on va servir le... Merde! Putain, comment pourrir un perfect day sur une connerie? Bah voilà. Oh, je suis écœuré. Mais complètement écœuré. Devil, débile. Je crois que j'avais oublié de mettre l'assaisonnement avant de le cuire. Où j'avais mal découpé, je ne sais pas. Si vous avez vu où est-ce que j'ai merdé. Un Perfect Day rapporte quand même, je crois, quasiment 250$ de bonus, donc c'est toujours bon à prendre. Ouais, je fais pas des masses de thunes. Hein. J'ai même pas rentabilisé en fait l'achat du truc à rat, ce qui est quand même dommage. Ah là 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 là, j'ai pété le combo comme un con. Et dommage. C'est bien dommage. Alors. Ouais, bon, apparemment j'ai quelqu'un qui veut me trader je ne sais trop quoi, c'est pas grave pour l'instant. Il y en a un qui me dit qu'il m'aime, c'est gentil. J'ai passé l'inspection, donc j'ai augmenté mon buzz de 10%. J'ai un truc qui est en train de moisir dans le menu, je pense que c'est le poisson, il va falloir que je le change. Les weekly challenge, pour l'instant, ben, on regardera un petit peu plus tard, une fois que je serai passé en une étoile à quoi ça correspond. Alors... Ah, et les coupes bêtes. Effectivement, on risque de me proposer des petits défis un petit peu particuliers. Il y en a un qui a été très très content. Ça y est, mon buzz augmente. Là, je suis à 45%. Donc normalement, là, je devrais avoir nettement plus de clients, surtout aux heures creuses. Et je peux upgrader le poisson. Non, pas pour l'instant. Je vais juste changer donc ce qui moisit dans mon menu. À savoir le poiscaille. Allez, on va se mettre les lasagnes histoire de rigoler un petit coup. En plus, elles sont pas upgradées, donc ça devrait pas être trop compliqué. Et bon, on va enchaîner tout de suite. Hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc là, ça pue pas. J'ai normalement plus de buzz. Donc ouais, dès le début de la journée, ça devrait aller un petit peu plus vite. Eh bien, ça devrait. Et on va de nouveau essayer de faire un perfect day. Parce que si j'y arrive pas en 0 étoile, c'est quand même bien la loose.
Surtout que ça va pas s'arranger par la suite. Allez, monte le buzz, monte le buzz. Ramène-moi du monde, s'il te plaît. Les chiottes, bon, ça va. C'est habituel, deux bières de servie. Un chiotte à nettoyer, c'est la moyenne. Alors que j'ai l'amélioration, de toute façon. Pour l'instant, c'est des lasagnes toutes basiques, donc ça va, c'est toujours la même combinaison de touches trois fois de suite. Ah, elle était très contente, madame, elle a fait mm-hmm. Ça, ça veut dire que je vais certainement recevoir un mail qui me dit que j'ai bien bossé et qui me file un petit peu plus de thunes. Ça, c'est bon, on nettoie les chiottes parce que ça va vite, on sert ça parce que ça va vite, on sert ça parce que ça va vite aussi. On va quand même s'occuper des poubelles parce que sinon ça va se barrer et ça va me faire louper mon perfect combo. Hop, allez, encore des lasagnes. Je me demande si des fois en fait je vais pas un peu vite sur la combinaison de touches des lasagnes et que ça risque de merder, on va vite le savoir. Ranchis, putain, lui, il veut de tout. Et ça, ça m'emmerde. Les lasagnes, c'est bon. Medium Cola, Ice Flavor Blast, y a pas de souci. Merde, ça, j'aurais pas dû m'en occuper tout de suite, mais c'est pas grave. Ça, la vaisselle, parce qu'elle était en train de s'impatienter, la demoiselle. Large Cola, Ice Flavor Blast, y a pas de souci. Je sers les lasagnes, je sers la première boisson. Et... grande flotte, il n'y a pas de problème, les chiottes ça va vite, je m'en occupe, la binouze, c'est parti, la deuxième binouze, les poubelles, on se nettoie les mains, bien sûr, merci, encore une binouze, les chiottes vont pas tarder à être de nouveau crades. J'ai un truc qui plaît pas dans l'après-midi, alors je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Peut-être justement parce que j'ai viré les glaces et que du coup j'ai rien qui correspond à des petits snacks d'après-midi. À mon avis, c'est ça. Parce qu'en fonction des horaires, les gens mangent plus du snack ou plus des plats. Et du coup, il faut prévoir ça dans les menus si vous voulez vraiment optimiser le buzz. 39%, c'est pas mal. En 0 étoile, c'est plutôt cool. Ça y est, là on passe. Et le téléphone qui me retroll. Fuck off. Un chocolat sans glace, pas de souci. À tout à l'heure, Dalki. Bon appétit à toi. Et oui, ce jeu donne faim. C'est pareil, j'ai encore pas mangé avant le stream. Bon, vu l'heure, c'est plutôt normal. Et du coup, je pète la dalle. Deux chocolats et Pringles, pas de problème. Les lasagnes, pas de problème. 8$, ouch! Ah, ça fait du tips quand même les lasagnes. Ça, c'est plutôt cool. Ah, il me faut 2 jours pour rentabiliser mon achat de pesticides. De morora. Alors, 2 boules vanille avec une petite cerise, c'est normal, pas de problème. On renettoie les chiottes, pas de problème. 44% de buzz, ça c'est classe. Là, ça va débiter. Medium Tea avec de la glace, pas de souci. Jumbo Grape, Ice Flavor Blast, pas de souci. Binouze, pas de problème, monsieur. Merci d'être passé. Cheese Greens and Carrot, pas de souci. Madame, encore la binouze, il n'y a pas de souci. Jumbo Ice Flavor Blast, il n'y a pas de problème. Une autre bière, il n'y a pas de problème. Les poubelles, ça va vite. On s'en occupe tout de suite avant de servir la bière. Ça, il n'y a pas de souci. On s'occupe tout de suite des lasagnes pour les mettre à cuire. Il n'y a pas de souci. Medium Diet avec de la glace, il n'y a pas de souci. Toi, qu'est-ce que tu veux? Jumbo Tea Ice Flavor Glass, il n'y a pas de souci. Les premières lasagnes, on va s'occuper tout de suite de celles-là. Parce que le temps de les cuire, ça va être le bordel. On va servir Jumbo Diet Ice Flavor Blast, il n'y a pas de souci. La salade ranch cheese mushroom, il n'y a pas de problème. Les lasagnes, la boisson, qu'est-ce que tu veux? Un petit Ice Flavor Blast, il n'y a pas de souci. Encore des lasagnes, il n'y a pas de problème. Une boisson Ice Flavor Blast, il n'y a pas de souci. Encore des lasagnes. Putain, c'est vrai que les lasagnes marchent quand même vachement bien. Je crois que je vais un petit peu plus...
les mettre au menu, surtout que là elles sont simples à faire encore. Quand je les aurai améliorées, ce sera plus le cas, mais c'est pas grave, avec une petite cerise des boules, il n'y a pas de souci. On va le faire ce perfect day, bordel. Surtout là on a passé le rush hour, un petit peu de concentration histoire de pas se chier sur un truc complètement débile, ce qui est en général le cas en fin de journée. Cheese, onion and pepper, nice. Allez, plus qu'une heure. Et voilà. Putain, je fais pas gaffe. Ah là là, je me mettrais des grandes claques dans la gueule des fois. Putain, sur une glace à la con. Des services. Ouais, bon, ça pour l'instant on s'en fout. Encore les challenges de la semaine. Oh tiens, on me redonne de l'argent. Bah merci, hein, je vais pas me plaindre. Ah, un petit pari. Alors il va falloir que je mette la salade, la crème glacée et de faire minimum 20 perfect combos. C'est bon, je vais faire ça. Pasta, je m'en fous, pour l'instant je n'utilise pas. Dans mon menu actif, j'ai dit salade et glace, je les ai, donc ça il n'y a pas de souci. Je vais renlever un petit truc. Non, en fait non, je vais laisser le menu tel quel. Juste regarder mon buzz, qu'est-ce que ça donne. Oula, 10%. Ah ouais, non là par contre, je vais peut-être virer la bière. Je vais virer la bière. Je vais virer la bière et je vais remettre le poisson à la place. Est-ce que comme ça, ça change quelque chose? Voilà, ça va nettement mieux. Parce que des fois, j'ai pas des trucs. Ça non. Donc, peut-être dans la... Est-ce que j'ai des trucs à upgrader que je pourrais upgrader? Je pourrais upgrader ma glace. Why not? Why not? Ouais, allez, tiens, on va upgrader la glace. Et c'est parti. Bon, je sais plus ce que ça rajoute, par contre, l'upgrade. Ça va être marrant. Je risque de me planter. Va-t-on faire le perfect day? Telle est la question. Alors, mint. Ah merde, bah voilà, c'est ça. Chocolate chips. Cherry, c'est H. Whipped cream, W et N. Oh la vache, ouais, ça complexifie tout de suite le truc quand même. Va falloir que je fasse gaffe parce que sinon ça va être le plantage assuré. Pendant les rush hours, je risque de m'amuser avec ça. Madame, faut arrêter la drogue. Hein. Allez, 20 perfect combos, ça doit être largement atteignable.
Ouais, moi aussi je suis un peu déçu là, ça manque de Perfect Day, il va falloir que je me reprenne un petit peu parce que là c'est juste pas possible. La salade, ranch cheese, ça il n'y a pas de problème, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Cheese, vous avez carottes, c'est bon, les chiottes, c'est bon. On va vite sortir les poubelles avant que ça s'empile. On se nettoie les mains, on va préparer les lasagnes, servir. Le large tea avec de la glace, ça, il n'y a pas de problème. Mushrooms, green and carrot, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Ça va venir, Pity. T'inquiète. En général, c'est toujours le dernier avant que je coupe le stream. J'en fais pas du stream. Et j'annonce la fin du stream, et là, j'en fais un. Normalement. On va bien voir. Toute chocolate et sprinkle, c'est quoi déjà? À chaque fois, je me plante sur ces saloperies de glace. En fait, c'est la glace qui me plante quasiment à chaque fois. Jumbo Tea Ice Flavor Blast, il n'y a pas de souci. C'est plutôt calme. Mint par deux avec une petite cerise, c'est tout. Ok, ça me va très bien. Par contre, tu aurais pu lâcher un petit peu de pourboire. Qui pisse du pounas. Ouais, ça se passe bien. Vanille, chocolat, cherry, Pringles. Ok, ça c'est les classiques. Alors, vanille, chocolat, cherry, Pringles, c'est yin et yang. Je vais commencer à essayer de retenir les noms. Pour pas avoir à chaque fois à regarder la composition du truc. Et une petite cerise, je n'ai pas regardé le nom. C'est bien. Continue comme ça. Encore les chiottes. Medium tea avec de la glace, il n'y a pas de problème. Allez, le rush hour. C'est parti. Merci. Large tea avec de la glace, il n'y a pas de souci. Allez, des lasagnes. C'est parti, ça c'est parti. Ranch cheese, onion and pepper, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de ça. Medium grape, ice flavor blast, il n'y a pas de souci. Les lasagnes, on va vite sortir les poubelles parce que ça prend pas longtemps. Medium diet avec de la glace, il n'y a pas de souci. Toi tu veux des lasagnes, mais tu as bien raison. Toi tu veux mushroom, greens and carrot, il n'y a pas de souci. Large tea avec de la glace, il n'y a pas de souci. On va juste attendre que les lasagnes soient prêtes. Ça c'est bon, on va lancer vite fait le poisson, s'occuper des chiottes, s'occuper de la vaisselle parce que sinon ça va commencer à être la merde. On va mettre les lasagnes en route, servir le poisson, mettre celui-là à cuire. Ranch cheese, bacon, onion and pepper, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Jumbo cola avec juste ça, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon, c'est servi. Ranch cheese, ça c'est bon, et ça c'est bon. On se nettoie les mains, hop, on prépare son poiscaille. Rush hour est bientôt fini. Ou est déjà même fini, je ne sais plus. On va juste essayer de pas trop se déconcentrer pour pas merder comme tout à l'heure sur la dernière commande du jour. Allez, 50. Vous le sentez là, le Perfect Day? Allez! Allez, 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 allez! Les chiottes. Putain, bien sûr, lui. La dernière commande. Ou une des dernières, en tout cas. Et ça sent le Perfect Day. Et ben voilà. Tu vois, Pity, suffit de demander, ça arrive. Un petit Perfect Day, ça fait toujours plaisir. Il y aura bien une glace pour te foirer, ouais. Je t'avoue que c'est ce qui me faisait peur, en fait. On demande
Ok, un démineur, oui, bien sûr. Ça, on s'en fout. Eh ouais, j'ai gagné le pari, donc 300 dollars dans la poche. Il va falloir que j'enlève le poisson parce que ça fait deux jours de suite. Weather alert, donc il va falloir que je regarde ce que je mets demain. Il était temps, ouais, effectivement. 250, ça c'est pour le perfect day. Tower pips. Oh yes. Ok, j'ai un mois de plus pour payer mon loyer. Le catering. Ah, ça, ça va être des événements un petit peu spéciaux. On verra un petit peu plus tard. Toilettes commerciaux, je pense que je vais assez vite investir dessus, histoire de pas avoir à renettoyer les chiottes trop souvent. Donc, équipement. Ils sont où les chiottes commerciaux? Voilà. 500, c'est relativement raisonnable. Est-ce que des fois dans les upgrades j'ai un truc qui pourrait m'intéresser? Je vais bien me garder d'upgrader les lasagnes pour l'instant. Est-ce que j'achèterai pas... Combien c'est ça déjà? 1800. Fuck. Je voulais regarder les jours de soleil, ce qu'il faut mettre. Je crois que c'est... Non, c'est pas la bière. Les glaces, les jours de pluie. Donc ça c'est bon. Glace. Il faut que je mette de la glace. Il faut... Merde, j'aurais dû enlever le poisson un petit peu plus tôt. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon menu? Je sais plus. Spécialité, je peux pas encore les acheter, donc on s'en fout. Alors, il faut que j'enlève le poisson, ce qui m'embête un petit peu un jour comme ça. Un peu dommage. Mais tant pis. Du coup, qu'est-ce que je vais remettre à la place? Allez, on va mettre la bière, ça va vite assez ravir. C'est assez facile, le buzz. Ouh, là par contre c'est pas bon. Ouais, mais j'ai enlevé ce qui pourrit, donc ça on s'en fiche. Ça je m'en fiche, et ça je m'en fiche au final. Ouais, téléphone qui me troll depuis tout à l'heure. Ah, merci à Benoît Belser d'avoir ajouté mon annonce de stream Twitter dans ses favoris. Je ne sais pas qui tu es, mais merci à toi. Bah c'est reparti. Pourquoi réfléchir un petit peu plus long? 12% de buzz, ça par contre, ça pue. Ça va pas être la journée excellente, là, je pense. Mais pas grave. Allons-y comme ça. De toute façon, là, le but, c'est juste de faire les 20 jours le plus vite possible pour passer au niveau suivant. Direct. On commence la journée, on fait la vaisselle, ça veut dire qu'hier soir on n'a rien foutu. C'est pas très très sérieux ça comme gestion de restaurant, mais bon. Allez. Arriverai-je à enchaîner deux perfect days? Pity, prends le pari. Là on risque de me demander des glaces. Normalement. Faut surtout que je sorte les poubelles. Ok, c'est cool. 7 luck, cheese, machin. Heureusement qu'on est en heure creuse. Hop. Putain, c'est calme là, ouais. On voit que j'ai un buzz dégueulasse. Hein. Il va falloir travailler un petit peu là-dessus, jeune homme. Mint chocolat, cherry, c'est H, whip, c'est ouais, et nuts. Voilà, ça, au moins c'est logique. Parce que c'est pas toujours le cas sur les lettres. Et d'ailleurs, monsieur Niolinki, il arrête de faire quéquette de temps en temps, qu'on puisse le revoir un peu ou pas? J'ai le snack food qui me pénalise pas mal apparemment. C'est vrai que là j'ai glace plus tout un tas de trucs. C'est un peu la merde. Allez,
La binouze. Small water ice flavor blast. Putain, commander de l'eau pour en mettre. Ah, il bosse là. Ok, d'accord. C'est demain son jour de repos, non? Il me semble. On est quoi? Ouais, on est mercredi, donc c'est demain. Putain, fait chier, bien sûr, la journée où je suis pas là, quoi. Et toi, au fait, ça donne quoi alors du coup? Tu vas reprendre tes études ou tu vas chercher du boulot? Ah, d'accord. Ah oui, il bosse sur son dev. Ouais. Apparemment, les lasagnes ont pas mal de succès aujourd'hui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on me dit que c'est la glace qui a un bonus, mais pour l'instant, j'en ai servi une. C'est très logique, leur bonus, des fois. C'est calme, on voit que j'ai un buzz dégueulasse parce que franchement il se passe rien. C'est un peu décevant je trouve. Mais bon. On va pas se plaindre, ça fera une journée calme. C'est les journées idéales pour faire un perfect. Pas encore trouvé de fac, d'accord. Cherry, H. Encore les chiottes. Bon, on les nettoie quand même nettement moins souvent depuis que j'ai l'amélioration. C'est plutôt agréable. Cheese. Hop. Ouf, c'était limite celle-là. Bien failli me louper sur une binouze, ce qui serait quand même très très con. Alors, small cola, no ice, pas de soucis. Salut Orgeek! Fait longtemps, tiens, comment ça va? Allez. Salut Veden. Comment vas-tu bien? Toujours pas de shiny à l'horizon? Bon, ça a été un peu la journée de la loose, hein, je trouve. Et une menthe. Vas-y, pas de problème, casse-toi. Encore ces chiottes. Une dernière petite commande. Ça faisait longtemps car je live plus. Ben non, là je reprends depuis quelques jours. T'as 700 rencontres et pas de shiny. C'est moche. Et deuxième perfect day de suite. Allez, tranquille. Si je passe hors geek, mais comme d'habitude, en général, les lives, je les regarde depuis la Xbox. Je suis passé quand tu streamais du Black Ops 2. Tac. Allez, Daily Fortune. On s'en fout. T'as aimé, tant mieux. T'aurais pu filer un petit bonus.
J'ai un truc qui pourrit dans le menu, ça doit être les lasagnes. Perfect Day 250, merci beaucoup. 10% de buzz pour aujourd'hui, merci beaucoup. Ah, t'as des soucis avec ton revendeur de... Ah merde! Qu'est-ce qui se passe? Sécurité augmentée. Putain, est-ce que j'ai investi tout de suite dessus? Je sais pas. Je vais peut-être commencer à économiser pour changer un peu de bouffe, parce que là, des fois, je suis bloqué. Ouais, ce sont les lasagnes qui moisissent. Donc, on va enlever les lasagnes, on va remettre ça. Ça ira très très bien. Mon buzz. Qu'est-ce qu'il dit, mon buzz? Ah, bah voilà! Là, on va refaire du buzz. Ça, ça va être cool. Je vais voir si des fois je peux pas acheter un truc au niveau de la bouffe. Les pâtes, les nachos. Ah, fait chier les nachos. Non, j'aime pas les nachos, donc on va pas faire les nachos. Ah merde! 4 mois de. Il y a autant de demandes que ça pour des capture cards. Oh, va Dieu. Les potatoes non plus, je m'en tape un peu. Bon allez, pour l'instant on va rester tel quel, on va enchaîner les journées. C'est pas grave. Allez. Est-ce qu'on va faire un troisième perfect day? Et des petites noisettes, vas-y mon gars. Et ouais, il y a Pixel. Mais c'est pareil, Pixel il a repris les lives là depuis quelques jours. Je crois qu'il fait du Advanced Warfare. Et Pixel me passe le bonjour. Bah, c'est gentil à lui également. D'ailleurs, ça fait 2 semaines qu'il doit me renvoyer un SMS qu'on aille boire un coup ensemble. Et que j'attends toujours. Tu refais les petites annonces? Bah ouais, j'imagine. Ouais. Après, je t'avoue que vu le prix qu'il te propose, je pense que ça va être difficilement battable. Même s'il y a 4 mois de délai. Bon là normalement avec 33% de buzz ça devrait enchaîner un petit peu plus. Donc il y a de fortes chances que je me plante. Normal. Ouh putain, j'ai bien failli d'ailleurs. Un peu moins, j'essaie de me concentrer, vous m'excuserez. Medium Cola, Ice Flavor Blast, pas de souci. Toi, tu vas à la cuisson. Toi, Jumbo Diet, avec de la glace, il n'y a pas de souci. Les chiottes, il n'y a pas de souci. La binouse, vite fait, avant que le poisson soit cuit, c'est bon. Et on ressort les poubelles. Bah oui, j'ai fait beaucoup de poissons, donc... Hop. Ouais, non, mais pas de soucis, t'inquiète, Orgeek. J'imagine qu'il a pas mal de choses à faire, de toute façon, le Pixel en ce moment, entre le boulot, ses streams et autres. Surtout au retour de vacances. Pas de soucis, Pity, à tout bientôt. Merde. Forcément, si je sors de la fenêtre du jeu, ça risque d'être moins marrant. A plus, Pity, à tout bientôt. Ah, d'ailleurs, si tu veux tchatcher pendant la journée, maintenant que tu peux, je te filerai l'adresse du TeamSpeak où on est. De buzz, ça c'est bon. Je vais essayer de garder ça en fait en changeant le menu le plus souvent possible, histoire de maintenir ça et de continuer à le faire grimper.
Merde! Tu veux le TS aussi? Bah, après, attends, parce que là, je vais pas te le faire pendant le truc. Mais c'est celui de Jésus et Vendeur. Tu vas sur leur page Twitch, et normalement, il y est, d'ailleurs. Pour toi aussi, hein, Veden, si tu veux, d'ailleurs. Vous êtes tous les bienvenus. Comme un con. Ouf, j'ai failli spammer. Allez. Ça vite fait, c'est la merde, c'est la merde. J'ai pas fait gaffe, du coup, je pense que je vais me chier sur un truc. Ah bah non, c'est passé, ça va. J'ai un espace plutôt tranquille. De l'eau avec du booster de goût, tu peux pas prendre un coca comme tout le monde. J'en reviens pour. Ils disent pas le TS. Ah, oh, alors attends, je te le... Je vais vous filer ça dès que j'aurai fini la journée. Et ça continue tranquillement. C'est le clodo qui mange du poisson. Emmerdez-vous. Bah pas de perfect day du coup. Foutez-moi la paix. Alors, le TeamSpeak. Voilà. Comme ça, vous l'aurez. Donc, normalement, on y est relativement souvent dans la journée. Encore 5 jours. Quelle heure se fait-il? 13h33. Est-ce que je vais avoir le temps de faire les 5 jours? C'est pas dit. Encore une alerte météo. Bête. Oil investment. Merci. 100 dollars de bonus, c'est gentil. Et je peux upgrader le burger. Dans mon menu actif, est-ce que j'ai les trucs qui sont intéressants les jours de flotte? Oui. Je vais peut-être laisser tel quel en fait. À moins que j'enlève. Je vais peut-être enlever la salade et refoutre les lasagnes. Parce que j'aime bien et que ça rapporte pas mal mon buzz. Oups là. Je vais peut-être plutôt enlever en fait la binouze et remettre la salade à la place. Normalement ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Ça va effectivement un petit peu mieux. Dans les équipements, est-ce que j'ai des trucs qui peuvent être intéressants? J'ai la sécurité à 500. Ça, je vais la prendre tout de suite. Est-ce que j'upgrade de la bouffe ou est-ce que j'achète des nouveaux trucs? Je ne sais pas. Non, pour l'instant, je vais plutôt acheter de l'autre bouffe. Ça, notamment... Merde, 1800, bien sûr. J'ai pas assez. Ça, c'est 2002. C'était certain. Les autres m'intéressent pas des masses. Les spécialités, c'est uniquement à partir de la première étoile. Non, il n'y a pas de mot de passe. Excusez-moi, je ne lisais pas le chat là. Allez, on va refaire une journée. On va essayer de finir sur un perfect day, voir ce que ça donne.
Un petit peu. Pop, pop, pop. Un truc qui pue dans la journée, qu'est-ce que c'est? Bah, par contre, hors geek, ouais, évitez de me spammer sur le... Quand je suis en live, quoi. Ce serait pas mal. Hein. Salut à toi. C'est bizarre, je commence... Bref. 25% alors que je suis censé être à 30. Ah, c'est parce que j'ai le poisson qui pue le matin. Ok. C'est ok. Chips and nuts, ok. Je suis plus concentré. Ça sent le plantage en règle. Allez, finir sur un perfect D, ce serait pas mal. Inspection de sécurité. Enfin, de. Inspection sanitaire, pardon. Et du coup, forcément, il y a des poubelles à sortir. On se lave bien les mains. On prépare les lasagnes. On prépare ça. Ranch cheese, bacon, onion, pepper, il n'y a pas de souci. On peut préparer ça. On peut préparer vite fait le truc avant de servir ça et de servir ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Hop là, d'accord, merci. 3, ça c'est bon. Ça, medium diet avec de la glace, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon. Ça, je peux mettre à cuire. Ça, je peux servir. Ça, c'est bon. La vaisselle, on va la faire vite fait avant que le poisson soit prêt à servir. Et on peut servir ça. Jumbo Tea Ice Flavor Blast, il n'y a pas de problème, monsieur. Alors, on va préparer et mettre à cuire les deux lasagnes. Normal. Les chiottes, il n'y a pas de souci. Ça, petit thé Ice Flavor Blast, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Ça, on va les faire vite fait avant de servir les premières lasagnes. Et je me suis pas planté, ce qui est un miracle, vu que je fais absolument pas gaffe. Jésus Order, ils font du World of Tank. Non. Mais il y a d'autres personnes qui en font. Donc en fait, en fonction des besoins, ils créent des petits salons, comme ça les gens restent pas dans le canal général et ça évite d'avoir des salons hyper bruyants et où on s'entend plus parler. Voilà, hop, hop, hop. Cheese bacon, ça c'est plutôt facile, c'est toujours la même. Faudra que je pense à acheter les upgrades de la salade, je pense, un de ces quatre. Oui, il y a une partie World of Tanks, je t'ai dit, parce qu'il y a d'autres gens qui sont sur le TeamSpeak de temps en temps qui jouent à World of Tanks, donc on leur crée des salons pour qu'ils puissent. Allez jouer tranquille à World of Tanks. Redolki. T'as bien mangé? Qu'est-ce que t'as mangé de bon? Allez, on spamme la vaisselle. Pour l'instant, ça reste simple. Les chiottes, encore une fois. Putain, elle avance pas cette journée. Allez, deuxième rush hour. Hop. Un petit poisson à cuire. Ça à cuire, on va mettre celle-là aussi. J'aurais pas dû faire ça. Si, c'est bon, c'est passé. Ça va. Ice Flavor Blast, y a pas de souci. Toi, qu'est-ce que tu voulais? Large Diet, Ice Flavor Blast, y a pas de souci. Toi, tu veux quoi? Ranch Cheese, tu me fais chier. Tu veux de tout, bien sûr. Large Diet, Ice Flavor Blast, y a pas de problème. On va vite sortir les poubelles avant que l'autre arrive.
No ice et flavor blast, il n'y a pas de souci. Toi, tu veux quoi? Small baguette, il n'y a pas de souci. On va vite préparer ça. Toi, tu veux quoi? Small color, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux quoi? Orange cheese, il n'y a pas de souci. Toi, tu veux quoi? Cheese, onion, machin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais ça se passe magnifiquement bien aujourd'hui. Ben, bon tournage, Orgeek. Allez, un petit perfect day là pour finir. Yep, pas de soucis, Veden. Il se peut que j'arrête en fait d'ici à ce que tu reviennes. Je vais voir en fait. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire cet après-midi. Ah, la photo, tiens, ça faisait longtemps. Donc t'as mangé riz, maïs, betterave. Oh, les betteraves, putain. Oh, vous me faites vomir avec là. Je sais pas comment vous faites, bordel. Oh, mais tu manges sainement, dis-moi, cher Dolky. Eh ben, perfect day, d'ailleurs, putain, je percute même pas. Nice! À faire de la thune, ça. Ça, on s'en fout. J'ai passé l'inspection, merci beaucoup. J'ai un truc qui moisit, il va falloir que je le change. Perfect day, merci pour la thune. Click and start, on s'en fout pour l'instant. Et encore, un nouveau catering. Ça, on va peut-être faire ça. Je supporte pas, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les betteraves rouges. Qu'est-ce que j'ai qui moisit dans mon menu? Ça doit être le poiscaille. Bah voilà, effectivement. Je vais acheter un petit peu de trucs parce que là j'en ai marre de servir toujours la même chose en fait. Allez, on va faire ça. En plus, ça s'upgrade. Ça moisit qu'au bout de quelques jours, mais ça je m'en tape. Du coup, dans mon menu, je vais mettre ça histoire de changer un petit peu. Est-ce que je fais pas vite fait les Battle Kitchen? Je sais pas. Non. Non, 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 non. Pas envie. Du coup, dans les Extra Even, qu'est-ce que j'ai? Burger Pizza Party. Aïe. Putain, les pizzas, j'en ai pas encore fait. Bon, je m'entraînerai un peu avant. Parce que les pizzas... Encore que... Elles sont où, les pizzas? Les pizzas, les pizzas... Ouais, on va regarder vite fait ce que ça donne, je ne m'en rappelle plus trop. Une pizza. Donc tu veux de la tomate, du fromage, ça c'est normal, des mushrooms. What? Putain, bien sûr, c'est U et olive, oignon. Oh la vache, ça va être la galère ça au début. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va vite me faire galérer. Faudrait que j'apprenne par cœur en fait les combinaisons de touches avant de me lancer là-dessus. Histoire de pas connement me planter. Alors, t'as dit quoi? Donc, on a dit tomate, cheese, mushroom, c'est U, olive, c'est V, et oignon, c'est quoi déjà? N. Ok, bon, on s'en fout. Est-ce que je fais ça tout de suite ou pas? J'en suis où? Attendez, je vais regarder où j'en suis. Il me faut encore 4 jours. Bon, on va refaire une dernière journée. Allez, une dernière, et après, je rends le stream. Alors, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et on cuit. Putain, ça va être long, ça. Chocolat, chips, cherry, wheat and nuts. Pas de problème, mon gars. Putain, c'est long à cuire, ça, par contre. Oh, va Dieu. Ça sent le plantage. C'est pas grave. On va s'y refaire tout doucement. Ah, ça risque... le problème, c'est que du coup, ça va m'empêcher de prendre certaines commandes en rush hour. J'aurais mieux fait, en fait, de le garder pour la cinquième étoile, la première étoile quand j'avais
5 trucs, mais 5, 5 stations de commande. Pas grave. Hop, les chiottes, c'est reparti. On va essayer de finir sur un perfect day. Ce serait pas mal. Hop là, pardon. Je commence à avoir vraiment la dalle. Rude. Allez, rush hour. C'est parti. Et on envoie la cuisson. Oh putain, j'ai que des trucs à cuire en fait. Je viens de m'apercevoir de ça. Medium grey avec de la glace, il n'y a pas de souci. Ah putain, si je sors pas les poubelles, ça pue du chien. Cheese, glaze and carottes, ça c'est bon. Large cola, ice flavor blast, il n'y a pas de souci. Hop, et ça, ça rapporte pas mal ce truc en fait, c'est quand même bien. En fait, c'est pas mal, ça permet de respirer un petit peu, et du coup, ça évite d'avoir trop de commandes qui s'enchaînent. Du coup, j'apprécie. Hop, et en plus, ça rapporte. Et une fois upgradé, ça doit être vraiment cool. Un petit perfect day. Allez. J'ai un truc qui me fait baisser le buzz parce que j'ai plus rien de snack en fait. Je crois que j'ai enlevé tout ce qui fait snacking. Et du coup, dans l'après-midi, ça me nique mon buzz et j'ai quasiment pas de commandes. Hop, calmos. 42% de buzz. Nice, là ça vient de monter d'un coup. Nuts, vas-y, il n'y a pas de problème madame. Et monsieur est content, il me laisse du tips, ça c'est cool. Merci monsieur. Revenez. Bah sinon, tiens, je repensais à ta capture card là. Où est-ce que Flowboy avait commandé la sienne? Allez, allez. Un grand verre d'eau avec de la glace. Non mais t'es sérieux. Ça se passe plutôt tranquille. Commence à enchaîner un petit peu plus. Essayez de pas faire cramer les lasagnes parce que ça crame vite cette merde. Pour l'instant, les lasagnes sont plutôt simples. Merde! Du coup, putain, je fais pas gaffe, je lis le chat et voilà. C'est de votre faute, ça. Ah, ok, d'accord.
Ouais, en même temps, c'était un peu prévisible. C'est vrai que la demande sur les capture cards est en train d'exploser complètement. Surtout depuis qu'il y a les nouvelles consoles. Je pense qu'avec la New 3DS, ils ont dû avoir tout un stock à refaire. Tous les streamers qui en faisaient, qui sont passés sur la nouvelle console, ont dû vouloir la faire modifier. Et merde! Bon ben, ce sera pas un perfect day pour finir. Me suis bêtement chié. Il me restera 3 jours, je les finirai demain. Ça, on s'en fout. Ça, j'ai un truc à changer, je vais le faire tout de suite. Une certification, c'est ce qui permet d'avoir moins souvent des. Merde, les inspections de sanitaire. Et je peux upgrader le steak à 920. Est-ce que je peux faire quelque chose? Upgrade food. Est-ce que j'ai des trucs à upgrader? De la merde, de la merde et de la merde. J'ai pas envie d'upgrader les lasagnes tout de suite, franchement. Ouais, bah c'est ce que je disais. Ouais, c'est parce qu'il y a la New 3DS qui sont surchargées. Hein. C'était à peu près sûr, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils moisissent? Ce sont les lasagnes. Eh ben, on va changer les lasagnes. On remet le poisson. De toute façon, ils vont tourner à tour de rôle. Comme ça, c'est prêt pour demain. Dans les équipements, est-ce que j'achète tout de suite la certification? Où est-ce que t'es, toi? 1200. Ben, je peux pas. Donc, comme ça, c'est fait. Et ben voilà. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Merci à vous d'être passé. C'est toujours sympa. Je pense que je restreamerai alors. Pas demain, mais vendredi certainement. Ou alors demain, mais en fin d'après-midi. Donc, bah, en attendant, passez tous une bonne journée. Amusez-vous bien. Si vous streamez, bah, je passerai vous faire un petit coucou. Et puis, bah, à tout bientôt. Ciao les gens!